Nous commençons toujours notre vie sur un crépuscule admirable. Tout ce qui nous aidera plus tard à nous dégager de nos déconvenues s'assemble autour de nos premiers pas. La conduite des hommes de mon enfance avait l'apparence d'un sourire du ciel adressé à la charité terrestre. On y saluait le mal comme une incartade du soir, le passage d'un météore attendrissait. Je me rends compte que l'enfant que je fus, prompt à s'éprendre comme à se blesser, a eu beaucoup de chance. J'ai marché sur le miroir d'une rivière pleine d'anneaux de couleuvres et de danses de papillons. J'ai joué dans des vergers dont la robuste vieillesse donnait des fruits. Je me suis tapi dans des roseaux sous la garde d'êtres forts comme des chênes et sensibles comme des oiseaux. Ce monde net est mort, sans laisser de charnier. Il n'est plus resté que souches calcinées, surfaces errantes, informes pugilats et l'eau bleue d'un puits minuscule veillé par cet ami silencieux. Braque, lorsqu'il peignait à Sorgue en 1912, se plaisait après le travail à pousser une pointe jusqu'à Avignon. C'est sur les marches du fort escalier extérieur qui introduisent au palais des papes que toujours le déposait sa rêverie. Il s'asseyait à même la pierre et dévisageait en la convoitant la demeure qui n'était solennelle et au passé que pour d'autres que lui. Les murs nus des salles intérieures le fascinaient. Un tableau accroché là, s'il tient, pensait-il, est vérifié. Il attendit pour savoir l'année 1947, année au cours de laquelle ses œuvres y furent mises en évidence. Ce n'est pas simple de rester hissé sur la vague du courage quand on suit du regard quelque oiseau volant au déclin du jour. Merci d'être sans jamais te casser, Iris, ma fleur de gravité. Tu élèves au bord des eaux des affections miraculeuses. Tu ne pèses pas sur les mourants que tu veilles. Tu éteins des plaies sur lesquelles le temps n'a pas d'action. Tu ne conduis pas à une maison consternante. Tu permets que toutes les fenêtres reflétées ne fassent qu'un seul visage de passion. Tu accompagnes le retour du jour sur les vertes avenues libres. Il y a eu la résistance et les feuillets d'hypnose, cette réflexion sur un temps de lutte et de violence. 20 ans ont passé. La violence menace encore. Aujourd'hui, c'est la Provence à l'âge du point oméga. Ces terres déjà réservées, conquises par les fusées. Ce qui signifie silo, rampe de lancement, missile.
Ces notes n'empruntent rien à l'amour de soi, à la nouvelle, à la maxime ou au roman. Un feu d'herbe sèche eût tout aussi bien été leur éditeur. La vue du sang supplicié en a fait une fois perdre le fil, a réduit à néant leur importance. Elles furent écrites dans la tension, la colère, la peur, l'émulation, le dégoût, la ruse, le recueillement furtif, l'illusion de l'avenir, l'amitié, l'amour. C'est dire combien elles sont affectées par l'événement. Ensuite, plus souvent survolées que relues. Je songe à cette armée de fuyards, aux appétits de dictature, que reverront peut-être au pouvoir dans cet oublieux pays ceux qui survivront à ce temps d'algèbre damné. Amer avenir, balle parmi les rosiers. Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût. Nous devons les faire partager afin d'élever et d'élargir notre action comme notre morale. Imagination, mon enfant. La mémoire est sans action sur le souvenir. Le souvenir est sans force contre la mémoire. Le bonheur ne monte plus. Les yeux seuls sont encore capables de pousser un cri. Je vous prédis, missile, dans un sol qui vous refuse, des éboulements sans remède. Joueur de Cézanne, les cartes que le peintre mit dans votre main n'étaient point truquées. Le jeu exige à présent qu'elle le soit, repoussez-les. Barque de Van Gogh à l'horizon des saintes, éloignez-vous du rivage. Avec leurs minutieux travaux atomiques, site après site ravagés, ils rétabliraient la mer à Apt. Tout finit par mourir. Excepté la conscience qui témoigne pour la vie. René Char est né le 14 juin 1907 à Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. La douleur est le dernier fruit, lui immortel, de la jeunesse. Je suis né comme le rocher avec mes blessures, sans guérir de ma jeunesse superstitieuse. À bout de fermeté limpide, j'entrais dans l'âge cassant. En l'état présent du monde, nous étirons une bougie de sang intacte au-dessus du réel et nous dormons hors du sommeil. Sur la poésie, la nuit accourt, l'éveil se brise, quand on s'exalte à l'exprimer, quelle que soit la longueur de sa longe, la poésie se blesse à nous et nous à ses fuyants. Il advient que notre cœur soit comme chassé de notre corps et notre corps est comme mort.
se mettre en chemin sur ses deux pieds et jusqu'au soir le presser, le reconnaître, le bien traiter, ce chemin qui, en dépit de ses relais haineux, nous montre les fétus des souhaits exaucés et la terre croisée des oiseaux. Thank you.